crois qu'on peut se retrouver. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Jedi Star Wars Jedi Fallen Order, où on était revenu sur Zypho après avoir tabassé des gens sur Kashyyyk. On était revenu sur Zypho. Un long voyage qui nous attend. Oui, oui. Parce qu'apparemment, il y a un nouveau temple qui a été découvert. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravi que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. Ouais. J'y ai toujours cru. J'y ai toujours cru. Depuis que je suis novice, je crois en la force. Et en votre esprit. C'est une épreuve. Et je pense être à la hauteur. J'apprécie. Alors, regardez-moi cette ondulation de cheveux. Une mission comme celle-ci peut te pousser dans tes derniers. C'est beau. Oui, je comprends. C'est très très beau. Je me sens prêt. Nous serons là pour toi, Cal. Tu as de beaux cheveux. Alors, où est-ce que je dois aller, moi? Parce que c'est bien beau de me dire de revenir ici, mais... là-bas. C'est le Venator, ça? Non, c'est pas le Venator, ça? Si, ça, c'est le Venator. C'est le Venator! Alors, pour aller au Venator... Où est-ce qu'on est, nous? Je ne sais plus. Nous sommes là, évidemment. Si je prends le tombeau de glace ici, je vais arriver là, après il faut que j'aille là, Oui, ok, j'ai vu. Attendez, je reprends la carte. Où est-ce qu'on prend l'ascenseur déjà? Là-bas, dans les étoiles, tout à fait, en avant. J'ai un sens de l'orientation exceptionnel. Ne l'oubliez jamais. Des rats géants. Souvenez-vous des rats géants. Ils sont plus dangereux que les Stormtroopers. Hein. Moi je comprends pas pourquoi l'Empire a une... Toujours pas de Stormtroopers en vue. A des Stormtroopers quoi. À la recherche du troupeau. Alors qu'ils pouvaient, avoir des rats quoi. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Allez. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Hop. Faites attention. Ouais. Méditer ici. Alors pourquoi méditer? Comme ça si on meurt on revient là. On a moins de chemin à faire. Toujours médier, c'est comme dans Dark Souls. Dès que vous voyez un feu, vous vous arrêtez et vous prenez 30 secondes pour... C'est par là. D'accord. Et j'ai débloqué ce raccourci, j'ai déjà fait ça. Bon, ok. Je suis obligé de me retaper. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, et comment ? C'est un peu dégueulasse parce que ça je l'ai fait. Dégueulasse, ah, ce lag qui me fait prendre l'objet en pleine poire. J'apprécie. Ah là 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 là. Et voilà, je l'avais one-shoté. Et juste ce lag ici là, de chargement de zone qui me fait prendre l'objet en pleine face, m'enlever 2/3 de ma vie. 90% de ma vie. C'est horrible. Horrible. Un lance-roquette. Ah mais vous êtes cons tous les deux quoi. Ok, là il faut aller là-bas, donc il faut prendre ce chemin-ci, là où il y a les roues qui tournent, intéressant. Aïe, il me manque un point de dégâts quoi, je sais pas si je vais pouvoir améliorer mes dégâts, mais juste un point de dégâts c'est frustrant. Allez, dégage. Eh, mais attendez, les mitrailleuses, là, il y a une mitrailleuse là-bas, on sait. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça va être plus facile de les tuer. Maintenant qu'on a le double sabre qui nous permet de renvoyer 12 000 tirs dans sa face de rat. Compris. Je prêterai ta garde. Mais oui. Et en plus, lui, il a pris cher dans sa tête. Tu vas mourir. Ah oui, donc les mitrailleuses maintenant elles sont beaucoup plus simples à tuer. Prenez le double sabre et pu, hop, vous lui envoyez tous ses tirs dans la face et il meurt comme un caca d'essai. Très bien. Donc on nous parle quand même d'un temple Zepho dans un Venator. Ça paraît un peu bizarre. Steam BD. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, oui. Et oui.
Ya, you. Ya, you. Ya, you. Ok. Oui. Ah mais c'est pas grave, il y avait un feu de camp ici. Très bien. Reposons-nous pour récupérer tous nos soins. Alors, il faudra quand même me dire comment BD fait pour recharger ses Steam à côté quand on médite. Hein. Ça demande un truc nucléaire. Qui me donne très très envie d'en mettre sur moi, sur ma peau. Mais j'ai pas de double saut. Il me fallait clairement un double saut pour aller dans le Venator. On est d'accord que c'est bien le Venator que la carte me montrait. Vie. Ah non, oui, bah oui, là-bas, là-bas au bout. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Pour ceux qui n'ont pas la référence. Oui, cette corde que nous avions déjà fait tomber, à croire que j'étais en avance. Oh, eh ben il s'est pas visé. Oh oui. Oh oui. Voilà, meurt. Bah. Attention, là il y en a deux. On le sait, on le sait, on le sait. Jabalou. Et il y en a trois même maintenant. Dégage. Et là on sait qu'il y a du Stirm. Des soins Stirm. Aïe. tellement facile, risible même, j'ai envie de dire. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, il y avait ça. C'est vrai, toute cette zone ici que nous avions découvert, rappelez-vous. Ok. Yahoo, merci BD d'être venu tout de suite, quel talent. Qu'est-ce que tu veux BD? Et non, 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 alors laisse ça. Intéressant. Intéressant, intéressant. Allez. Je crois qu'on se rapproche. Il y a 12 000 mecs derrière. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Non, c'est logique. J'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Oh, quelle position de garde. Ah, mais il fait l'anglais. Ok, bonjour. Ok. Ok, ok. Ah. Oh. Des tyroliennes qui remontent, mais on peut pas les remonter. Donc ça, ça doit être la fin, on va revenir par là. C'est ça que ça nous indique. C'est ça que ça nous indique, hein. Alors, mais par où je vais? Par... Oh, ça fait loin. Ah, BD a trouvé quelque chose. Oui, donc on va revenir par là, c'est sûr. Car là, on descend et on va pouvoir le faire remonter. Ah. Oui, voilà, on va pouvoir le faire remonter. Quand on en aura besoin, ok. Merci du coup de main. Donc, Oh, wow, 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 wow. Alors, attends, attends, attends. L'intrus contourne l'offensive. Lui d'abord. Je passe à l'attaque. Mais pourquoi ça pas... Touché. Ah. Être futile. Ok, bon. Vos chances de survie sont absolues. Voilà. Je voulais faire du classe, mais apparemment le jeu veut pas que je sois classe. Donc je vais devoir lui casser la gueule. À l'ancienne. Wow, bien vu.
Ah, le salaud. Ah. Contact confirmé. Oh mon dieu. Ah. Slim BD. Eh, c'est chaud, deux c'est chaud. Hein. Alerte, ah. Il roule, il roule pas quand on. Non, une seule. Vas-y, donne-moi qu'une seule là. Lui, lui. Voilà. Esquivé grâce à l'animation. J'ai besoin d'un skim BD. Allez. À nous deux. Non. Ok. Ah. Oh. J'avais pas vu. Une tyrolienne, ça te tente ? Tyrolienne ? On va pouvoir tirer des tyroliennes ? Trop bien. Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne ? Quand le pimpe, quoi. Alors, je vais pouvoir tirer des tyroliennes. Ah, donc maintenant je peux faire ça. Mais oui, BD. Donc là je peux faire ça. Mais oui, oh ce BD1. Hein. Je me sens pas bien BD. De quoi tu te sens pas bien? T'as, t'as besoin d'un doliprane? Pourquoi il a dit ça? Il a besoin d'un doliprane le monsieur? Sinon tu sais que t'as des points de pouvoir. Oui, je sais que j'ai des points de pouvoir. Et tu les utilises pas? Non. Ok. Donc là maintenant. Wouhouhou! Merci le jeu. Ah oui, mais c'est trop bien ça de pouvoir utiliser ça dans les deux sens. Oh là là. Oh là là. Bonjour! Oh! Oh, oh, oh. Nos mitrailleurs sont morts. Resserrez les rangs. Bien sûr. Oh. Mort comme il a vécu. Comme un caca déçu. L'ascenseur ne peut pas t'appeler. Ah oui, d'accord, on va sauter là. Donc on va certainement descendre par là. Là-bas, il y a notre plateforme. Ok, ok. Ok, alors. Ouais. Ah. Yes. Ah. Bonjour. Bonjour. Ah oui, d'accord, on arrive là. Intéressant, intéressant, intéressant. Mais pourquoi je voudrais déverrouiller ça? Ah, peut-être pour revenir. C'est quoi ça? Éloigne-toi, ouvre le feu. Incapable. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Aïe. Vos chances de survie sont infimes. Ouais, et les tienneurs. Lâche. Ok. Ils sont quand même pas tous morts, si. Incapable. Peut-être pour revenir ce sera intéressant. Alors fais cela. Oh non. Pas lui. Moi aussi. Ton sabre ne te sauvera pas. Ouais. Pareil. Vise plus haut. Je vais t'achever lentement. Viens te battre. Bien sûr. Oh. Hey. Debout, viens m'affronter. Bien sûr. Exterminé.
Bien sûr. BD, aide-moi. Ok, let's go. J'ai eu mal à les affronter, ceux à deux bâtons là. Ah. C'est très important hein, les bruits. C'est ça donne du courage. Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Ah, il voulait le pognon. Je le comprends. Ah. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah. Il y a un chemin, bougre d'âne. Ok. Excusez-moi une petite quinte de tout. C'est pour ça que vous aviez pas de son du micro. Ah là là. J'en pleure. Et moi quand j'ai des quintes de tout, c'est pas des petites quintes de tout. Ah là là là. Ah. D'accord. On voit beaucoup de cordes enroulées comme ça. Enfin, peut-être le nouveau pouvoir qu'on va avoir dans ce temple Zepho. Ah oui, clairement. Là, ça va nous permettre de relier là-bas. Il nous permettra d'entrer beaucoup plus vite. Clairement, c'est ce pouvoir qu'on va avoir. Celui d'attraper des cordes. Oh là là. Jacqueline. Oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. D'accord, dis-moi, mais tu es très très classe, Jacqueline. Où a-t-il caché cet holocron? Pourquoi il a pas ce casque-là dans 7-8-9, ouais. Franchement, il est tellement classe son casque à elle. Aïe! Il aurait bien pire que ça. D'accord. Ah oui, c'est vrai, elle fait ça. Pas assez rapide. Ok. On est obligé de la tuer ou ce sera comme la dernière fois et elle va perdre au bout d'un certain moment? Je te détruirai. Je vois rien. Aide-moi, BD. Oh, elle contre ça. Oh! Tu utilises la force! Tu es donc une utilisatrice de la force, Jedi Unette! Aïe! Elle fait ça, elle! Hey! Hey! Elle regagne de la force! D'accord. Hey, elle a sa cape qui glitch! Ah, t'as l'air conne là! Hein. Oui. Aïe. Elle a une super vitesse. C'est pas du jeu. Moi je l'ai pas ça. Hey. Très bien. Tricheuse. Tu n'esquiveras pas la suivante. Ah ouais. Ah. Ah. Vas-y Jacqueline. Oh quel talent. Tu es fort, Jacqueline. Ah BD. Par ici, BD. Un acteur. Bah oui, je suis amateur, écoute. Ah. Ouais, mais toi, t'as des super vitesses et tout. Aïe, j'avais j'ai roulé. Eh, hey, Jacqueline. Eh hey, tu vas vite. Ce n'était rien. Eh hey. Ah. Ha.
Ah, mais c'est une cinématique. Bien, bien, bien. Ouah. Vas-y, cale. Heureusement qu'il y avait ce bouclier énergétique. Que l'Empire avait mis derrière une grille Zepho. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Céré, mais pas mal cependant. Quoi, t'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Céré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle vient de faire une Dark Vador, c'est ça? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Ouais, c'est ça, elle nous fait une Dark Vador. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Tu es Trilla. En chair et en os. Toi aussi, tu as des grands yeux globuleux. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Ils sont bizarres les sabres laser qu'ils ont là. Avec l'anneau. Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. De la force. Elle a coupé ses liens avec la force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne. Ah, cette gueule! Je disais la même chose avant. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je suis Luke Skywalker. Ok. En avant. C'est quand même bien que les impériaux n'aient pas les codes pour désactiver leur propre bouclier. Hein. C'est quand même vachement intéressant pour nous. Hein. On remerciera Trilla pour ça. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. Heureusement que j'ai ce pouvoir là, hein. Sinon on aurait été dans la merde. Mais t'es bloqué. Ok. Faisons ce nouveau tombeau Zepho. Bon, on va quand même regarder pour les compétences. Y a quoi d'intéressant? Défie automatiquement les tirs quand ils sprintent. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Combo retardé. Ça fait quoi ça? Oh, il a une nouvelle capacité d'attaque. Ah, il faut d'abord ça. Estoc retardé, ok. Donc ça, c'est à une main. D'accord. Et ça, après, on aura un combo. Ok, pourquoi pas. Ralentissement étendu, ça m'intéresse pas forcément. La poussée, ouais. Ah, récupération de force améliorée, ça peut être vachement bien quand même. Allez, c'est bon. On a assez fait mumuse avec les points de compétence. Alors, tentons des trucs. D'accord. Alors, il faut le rythme. Donc c'est quand le sabre laser est en bas, hop là, d'accord. Et ça... Alors... Attends. D'accord, ok. C'est quand il a fini le combo. D'accord. Ok. En avant. C'est par où? Par là. Faut quand même avoir les timings quand on a des nouveaux sorts. Nouvelles attaques. Mais quels ennemis on va rencontrer là-dedans? Encore des gardiens Zepho? Il a l'air différent de l'autre tombeau. Ah bon? J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. D'accord. En avant. Yahoo! Yahoo! Quel talent! Serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit?
Parce que c'est une menteuse. Toi. Comment ? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a... Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. D'accord. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de série que je n'ai pas perfectionnée. D'accord, bah pète plus haut que ton cul, Jacqueline. Oh mais c'est dégueulasse, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Le jeu m'a bloqué dans un coin et après m'a expulsé, je n'ai pas pu finir la glissade. Triple A on rappelle hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu est buggé? Je saute et il me tue. Bah quand même. J'avais sauté, il m'a tué instantanément quand j'ai appuyé sur la touche saut. Non mais oh, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est de la triche. On peut faire des trucs stylés et le jeu nous en empêche. Allez, avance, Cal. Mais... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Aïe, aïe. Ah, moi, il faudra qu'on m'explique comment ils ont fait pour rentrer. Et il a pas la même couleur. Il est plus classe, lui. Ah. Hey, il est plus rapide, j'ai l'impression. T'es plus classe que ton pote. D'accord. Mais tu es aussi nul que lui. Bien. Il est peut-être plus rapide cependant. Et comment les impériaux ils ont fait pour rentrer s'il y avait un bouclier d'énergie que Jacqueline elle a pas réussi à passer? Ah, elle est cassée la boule. Ça va être une autre mécanique alors. Très bien. Ah, on peut pas aller là. On peut pas aller là par contre. Cependant... Oh! Ces petites boules permettent de tout faire flamber. Intéressant. Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. D'accord. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Ah, des Stormtroopers là-bas. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!